Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Et c'est fini du côté de l'Inter. L'Inter Milan qui s'impose 1-0 face au FC Porto. But de Lukaku à la 86e minute. Et de l'autre dans l'autre match, hein, celui que nous avons suivi avec vous, tous nos auditeurs fidèles, le match qui opposait donc Leipzig au Manchester City, et bien un partout. Dans ce match très disputé sur la fin, et le suspense reste entier désormais, hein, avant le match retour à l'Etihad Stadium. Philippe Doucet, Manchester City n'a pas réussi à conserver cet avantage. La stratégie de Pep Guardiola n'a pas fonctionné finalement. Oui, parce que comme on disait, le City n'est quand même pas dans une très grande période en ce moment, ils sont pas étincelants et ils ont essayé de trop contrôler ce match, et quand l'adversaire les bouscule un petit peu, ils sont en difficulté, ils arrivent à concéder un but alors que c'est quand même un match où ils sont quand même pas très en danger, hein. Globalement, ils ont bien davantage de maîtrise et d'occasion que l'adversaire, mais en ce moment ils sont pas, c'est pas une équipe qui survole son sujet, et ils l'ont confirmé aujourd'hui dans un match important, et ils ont confirmé que c'était pas mieux qu'en Première Ligue, c'est un peu moyen, ça reste exceptionnel d'être au rendez-vous tous les ans, parce que il faut quand même se rendre compte que City c'est tous les ans premier ou deuxième au pire, donc et demi-finale, finale de Ligue des Champions, donc ça reste exceptionnel, mais on sent que c'est pas la meilleure période. Quand j'évoquais les restes de la Coupe du Monde, je pense que City fait partie des équipes qui en souffrent. Ouais, en tout cas, tout reste à faire ou à refaire, hein, du côté de l'Etihad Stadium, je l'ai dit, pour le match retour. On a beaucoup parlé d'Haaland, alors on se posait la question, est-ce que De Bruyne lui a pas manqué un peu ce soir dans ce match ? Oui, tout à fait, je trouve que De Bruyne apporte de la variété et de l'inventivité au jeu de City, et il en a manqué ce soir. C'était un petit peu monorythme, c'était un petit peu... on les sentait un peu émoussés, Je pense que c'est le lot de beaucoup d'équipes qui avaient de nombreux joueurs à la Coupe du Monde et qui les récupèrent un peu dans des états de forme disparates, parfois blessés, parfois aussi blessés moralement. Donc Guardiola... Dont peut-être... De Bruyne. Oui. De Bruyne fait partie des joueurs qui ont souffert. Il a été très très mauvais samedi, par exemple. C'est vrai, mais globalement, je trouve qu'il a... Dans les gros matchs, De Bruyne arrive à... C'est un de ceux qui arrive le mieux à hausser son niveau. Et on l'avait vu contre Arsenal, où c'est lui qui est à l'origine de l'ouverture du score, qui voit le jeu. C'est intéressant quand même de l'avoir. Après, ça n'aurait sans doute pas tout changé, mais oui, un City un peu décevant, un peu émoussé, parfois un peu suffisant dans l'attitude. Et quand on donne trop peu, on a un retour de bâton, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Dominique Grimaud, ils ont trop temporisé, les Citizens. Oui, autant hier soir on était excités comme une vieille puce dans mon cas, après la démonstration du Real à Anfield, et celle de Naples, autant ce soir, et on a eu du mal à trouver le sommeil hier soir, autant ce soir, je pense qu'on va dormir assez tranquillement. Une camomille pour Monsieur Grimaud, s'il vous plaît, Régis. Tranquillement débuté d'ailleurs ma nuit. Non, franchement, c'était assez soporifique en première mi-temps. En revanche, la deuxième, il y a eu des petites poussées, des petites fulgurances quand même. Oui, dès lors que les Allemands se sont un peu effectivement secoués et se sont mis dans le match, effectivement, ça ne pouvait être que meilleur. Mais bon, globalement déçu par la sortie des Citizens, qui sont encore donnés assez largement favoris. C'est ça qui est fou d'ailleurs de cette Ligue des Champions 2023, puisqu'il a une cote de 3,5 quand on sait que le Bayern est à 5, que le Real est à 7 seulement. Moi, je trouve qu'il y a un écart entre City et le Real, en tout cas au cours de ces 24 heures, et c'est pas dans le sens qu'on croit. Les parieurs sont pas bons, c'est tout. Je sais pas. Ils comprennent rien. C'est les boucs. Tous les ans, ils mettent City et PSG. City, c'est très décevant ce soir. City et PSG comme favoris tous les ans, des équipes qui n'ont jamais gagné. Mais bon, à l'instar de Haaland. C'est leur problème. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler au match retour. Il y aura du suspense, de l'adrénaline, et je vous promets que vous devrez prendre du café en perfusion, Dominique Grimaud. Merci, Céline. Et notamment pour demain. Pourquoi ? Parce que demain, il y a un gros match, évidemment. On va tous le suivre avec beaucoup d'attention, et en particulier sur Europe 1, c'est la Ligue Europa. Ce match Nantes-Juventus Turin en direct et en intégralité, vous le savez, sur Europe 1. Est-ce que du côté de Nantes, les Canaries vont parvenir à renverser la vieille dame ? C'est tout l'enjeu justement de ce match, et ce sera évidemment en intégralité dans Europe 1 Sport.